joyeux non-anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi? Mais oui. À moi. Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher. Pas de place. Vous voulez dire qu'il y en a beaucoup? Savez-vous que c'est mal élevé de s'asseoir quand on n'est pas invité? Je dirais que c'est grossier. Très, très, très grossier. En effet, c'est très, très, très grossier. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai trouvé votre chanson si jolie qu'en l'écoutant, j'ai eu envie... Ah, parce qu'elle vous a plu, notre chanson? Oh, que voilà une délicieuse enfant! Elle a du goût. Oh, je suis plus émue que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Avec le plus grand plaisir. Je m'excuse d'avoir interrompu votre goûter d'anniversaire. Oh, merci. Vous disiez? Mes chers enfants, il ne s'agit pas d'anniversaire. En fait, c'est le contraire. Nous étions en train de fêter notre non-anniversaire. Non-anniversaire? Excusez-moi, mais je ne saisis pas ce que vous voulez dire. C'est simple, pourtant. De janvier à décembre, non. Voyons. 30 jours de non-anniversaire, ça, un anniversaire, non. Elle ignore ce qu'est un non-anniversaire.